Aujourd'hui, on est jeudi 15 décembre et nous allons ouvrir les cases 15, numéro 15 du calendrier de l'Avent. Donc, on va changer un petit peu. Donc, la case numéro 15, elle est où? Elle est ici. Donc, ce sera une boule. Soit noir, soit au lait. Soit noir, soit au lait, soit blanc. Je pense que ça peut être qu'une boule. Hein. On va voir ce qu'on peut avoir ensemble. Oh, mais non! C'est un cœur au lait tendre. Donc, Champs-Élysées, cœur lait au praliné noisette enrobé d'une fine couche de chocolat au lait. Je vous le remontre. Hein. Je pensais pas qu'il y en avait deux. Donc, je vous le montre. Il est coincé. Alors, voilà. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est du chocolat au lait dedans. C'est du praliné enrobé de chocolat au lait. Donc, voilà ce qu'on a dans le chocolat au lait. Dans la case numéro 15 de Lindt, hein, bien sûr. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on a eu dans la case numéro 15. Donc, on va prendre le déco time. Case numéro 15. Attendez, Jean Jureau, bien. Relais Jean, on est toujours jeudi 15 décembre et nous allons réouvrir donc la case numéro 15 du calendrier de l'Avent. Donc, deuxième partie, bien sûr. Excusez-moi, je me suis trompée. Je pensais qu'on était 14, mais non, on est le 15. Donc, du coup, on va ouvrir la case numéro 15 du calendrier de l'Avent qui est ici. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Il faudrait que je la mette comme ça parce qu'il est très gros. Hein. Je n'ai pas envie de tout casser pour tout vous dire. Hein. Mais on a une boule rouge. Ah, oui, c'est du... ne vous inquiétez pas. C'est de l'aimant. Waouh, regardez les amis, elle est trop belle. Waouh. Donc, on a eu ça dans la case numéro 15 du calendrier de l'Avent. Donc, voilà, on a eu ça dans la case numéro déco time. Franchement, trop contente. Je pensais pas l'avoir deux fois en plus. Donc, on va les mettre un peu de scotch. C'est normal, comme j'ai dit hier. Bon, je ne les mets pas tout de suite. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je ne les mets pas tout de suite. Alors, le thé. La case numéro 15. Je trouve déjà le numéro 15. Ah, ça c'est du thé breakfast. Donc, pas du thé noir breakfast. Ça peut être bon. C'est ça qu'on a eu, du thé noir breakfast. Le thé noir breakfast. C'est pas possible, c'est pas du thé noir. Thé noir breakfast, mais je l'ai pas. Ou c'est du thé Earl Grey peut-être. Ouais, bah, Earl Grey, c'est break. Eh bah non, ils sont trompés. Parce que c'est du thé vert breakfast, alors. Pas du thé noir. Peut-être thé Earl Grey, alors. Est-ce que j'ai un thé Earl Grey quelque part? Thé noir Earl Grey? C'est pas du thé noir breakfast, hein. Ils sont trompés, je pense. Hein. Du thé vert Earl Grey, je l'ai aussi. Et le breakfast, alors, il est où? Je regarde dans les thé verts parce que... Ouais, je pense qu'ils se sont trompés. Parce que le breakfast, c'est pas du thé noir. Je pense pas que c'est du thé noir. Le breakfast, parce que le breakfast, ils mettent dans les thé verts. Donc, on verra bien de toute façon. Du thé vert Earl Grey, on l'a là pour le 18, bien sûr. Mais... Non. Pour moi, le breakfast, c'est du thé vert. Parce que je ne l'ai pas dans les thés noirs. Bon, bah c'est pas grave, hein, tant pis. Mais bon, c'est quand même du thé... Donc, on a dit... Okay, on a dit le 15. Le 15, c'est du thé noir breakfast. Hein. On va le mettre comme ça. C'est du thé noir. Bah, à moins qu'il n'y en ait pas. C'est que... Donc, je ne sais pas ce que c'est en tous les cas.
si c'est du Earl Grey, donc c'est du thé noir bergamote, huile essentielle de bergamote. Hein. Je pense que c'est ça. Après, soit c'est du breakfast, soit c'est du thé noir d'Inde qui ont mis dans le thé vert. Bon, c'est pas grave en soi, mais ça peut être bon quand même. Donc voilà ce qu'on a dans le petit 15 du calendrier de l'Avent. Alors, dans la case numéro... Alors, la case 15 du calendrier de l'Avent. Attendez les gens, attendez. Parce que la case 15, je l'ai déjà ouverte. Attendez les gens, je reviens. Les gens, on est toujours le 15 décembre. Et nous allons ouvrir le dernier calendrier de l'Avent. De la 15, de la case numéro 15. Je vais y arriver. 16, 21, 14, 18, 19, 15. Elle est ici. La case numéro 15. Je vais y arriver, hein. Oh, on a quoi aujourd'hui? Oh, un petit nounours, c'est trop mignon. Donc, on a un petit nounours comme ceci. Donc, c'est un petit Teddy Lint chocolat au lait fourri d'un cœur au lait. C'est comme je vous ai dit, comme les Kinder qu'on a dedans. Donc, voilà ce qu'on a eu dans la case numéro 15 du calendrier Teddy Lint. Après, dans la case numéro 15 du Lint, on va regarder si on l'avait ouvert ou pas, j'étais pas sûre. Oui, je crois qu'on l'avait ouvert. On va prendre juste la case et on avait eu un Lint. C'était un petit Champs-Élysées de Lint tendre cœur au lait noisette enrobé d'une fine coque de chocolat au lait. Donc voilà ce qu'on avait eu dans le Lint spécialité des calendriers de la case numéro 15. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain les gens, salut !